On va recommencer. Hein. Tu es un perdant, Harry. C'est ça. Je l'assume. Hein. Déjà. Je vais faire quelques maisons pour démarrer. Je vais produire le plus de nourriture possible pour faire plus de villageois. Là, je commence à faire les signalisations pour me gagner du temps. Pour voir d'où viennent les... Non, ça n'a pas l'air simple. La campagne, elle est assez particulière. Mais bon, j'ai peut-être une idée comment je vais faire mon coup. Je pourrais faire un port là parce que j'ai vu qu'il y a du poisson tout à l'heure. Ça peut avoir son utilité, effectivement, du poisson. C'est une source de nourriture en illimité, je rappelle. Voilà. Est-ce que je peux faire un jardin? Ouais, je vais le faire tout de suite. Plus le jardin soit démarré plus tôt, mieux ce sera quoi. Bon, j'ai un peu une nourriture. Je vais partir sur la nourriture en priorité. Voilà, ils sont 4 bûcherons là-dessus. Donc là c'est fait, on a une bonne vision. Dès que je peux, je rajoute un autre villageois. Parfait. Donc là ils vont s'occuper des petits poulets au fur et à mesure. Ok, on a repéré. Alors logiquement il y avait une relique au bout, mais est-ce qu'on pourra la saisir? C'est ça la question. Il y a une relique, est-ce qu'on peut la prendre? Le copège de russe. Les héros infligent davantage de dégâts aux unités mythiques. Ça serait une relique utile. Vu qu'on a vu des vagues de soldats en terre cuite et de killing débarquer, j'ai envie de te dire, ils auront leur utilité. Le temps de le faire là, vite fait. Ça, là derrière, il y a un villageois qui va reprendre sur le poulet. Cette relique aura son intérêt. Hein. J'ai deux yaks par là aussi. Je vais essayer de les faire en sorte qu'ils s'engraissent plus vite. Parfait. Mets ta relique dedans, s'il te plaît, Jiaolong. Merci. Donc déjà, ce petit bonus contre les unités mythiques, c'est bienvenu. Il y avait une autre relique par là, si je dis pas de bêtises. J'ai rajouté un dernier village. Ok, je pourrais faire des immortels après. Ça va être utile contre les autres unités mythiques. Donc je me suis un petit peu spoilé entre guillemets. Je sais qu'en tout il y a 8 ou 9 scénarios. Cette campagne est au 4ème, donc on est à la moitié. On est quasiment à la moitié, ce qui est pas mal. Je terminerai ça demain, je ferai 2-3 scénarios ce soir. Donc celui-là inclus. Parfait, là c'est bien. Je rajoute un autre villageois alors. Oula. Help. Voilà, on a doublé nos chukonus, ça va être utile ça. Moi je vais aller m'occuper de leur tireur. Donc là nos chukonus sont en train de les dégommer. Parfait. On a perdu une tour dans l'affaire, mais bon, globalement, ça tient. J'ai commencé à fortifier ce côté-là, on sait jamais. Ah, évidemment, je me fortifie. Il faut que vous arriviez à ce moment-là, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous à l'abri, fissa.
Reculez, reculez. Vous allez reculer là-dedans parce qu'ils sont assez voraces. Et je vais faire quelques immortels pour m'aider ici. La relique est dans la montagne à côté du trou. Ici, là, tu penses? Bah attends, tu sais quoi? Je vais laisser mes immortels là, avec les Shukonu pour garder le coin. Et donc ça veut dire qu'il y a un accès par là. Donc là, vous allez me réparer ça, Fissa. Ok, les villageois massent. Bien vu, Jojo. Donc on a la deuxième relique, je sais que la dernière elle est de l'autre côté du feu, mais elle ne va pas me servir pour ce que c'est. Allez, construction accélérée également. Parfait. Je pense que je vais faire une académie pour augmenter, entraîner mes troupes. Comme ça, là, on va collecter plus rapidement du bois et de l'or. Comme ça, on va faire nos premières techs avec ça. Allez. Donc, en général, les unités mythiques, elles venaient de ce côté. Je vais tout de suite faire mes unités d'académie moyenne, au moins ce sera déjà ça de prix. On va aller chercher les canards par là. Oula! Vous allez reculer. Wow. Il y a le chilling là qui est dangereux. Heureusement que je vous ai dit d'envoyer les soldats. Hein. Bon, regroupez-vous là-dedans dans le fofo. Ça me rappelle un petit peu la lampade Atlante, ça. Celle qui attaque à distance. Hop, donc là, c'est faut tout réorganiser. Super. 5 à l'heure. 3 là. Et là, il y a une autre vague qui se pointe, allez finir. Je vous fais aussi un truc de temps qu'à faire. Je vais faire deux Shukonu en renfort, enfin un groupe. Pour le moment, ça tient. Pour le moment, on a perdu nos tours de ce côté-là, mais bon. Ah bah tiens. Vite. Faut que je fasse un mur là, sinon ça va être chaud. Non, va par là. Bateau contre lui, retiens-le. Voilà, bien joué. Bon.
Je vais faire un autre jardin ici. Je vais faire une sorte de mur de jardin dans l'idée. Je vais rajouter un dernier choukounou. Bon, ils sont 6. Je vais rééquilibrer sur le bois. Et là, dès que possible, je passe au bois amélioré. Ok, on a un autre jardin qui est prêt. Est-ce que l'armurerie, ce serait pas le moment? J'ai envie de te dire que oui. Puis là, ça fera en sorte que les bâtiments ralentissent la progression des adversaires. Je peux pas faire de marché. Parce que je sais que les Chinois peuvent faire un marché normalement. Allez, mobilisez-vous par là, Fissa. Vous venez par là. Allez. Est-ce qu'on commence à... Ah, vous pouvez pas aller dans le forum, dans la garnison, vous... Ok. On va perdre nos cavaliers, bon, c'est pas grave. Bon, Nord, ça a tenu. Hop, on fait nos améliorations. Bon, ça va me coûter beaucoup de nourriture, mais c'est nécessaire. Derrière, j'ajoute deux autres immortels en renfort. Puis bon, nos troupes humaines seront de meilleure qualité aussi. Alors. Ah bah voilà des unités mythiques à défoncer, c'est bien. Et en plus on a les armes en cuivre au même moment. Allez, oust. Ok, il y aura 7 minutes à tenir, ça va être chiant mais ça peut le faire. Alors l'armure elle en est où là? Donc le corps à corps va arriver aussi pour mieux tanker. Nos immortels ont gagné 10%, 7%. Là on a gagné 8% là. Oula, alerte, alerte. Allez, abattez-moi ça. Voilà. Oh, par contre, mon or, mes villageois sur l'or ont bien diminué au niveau effectif. Ouais, c'est des bons jeux. Hein. Dommage que Rise of Nation n'ait pas eu de suite ou un autre opus similaire. Il aurait pu avoir... Oh non, pas des lances de feu. Pitié, non. Alors attention, eux, ils sont efficaces contre les archers, les lances de feu, je rappelle, les bâtiments. Allez, abattez-moi tout ça. Parfait. Donc là, on a repoussé cette vague. Ah, c'est pas possible, hein. Ouais, plus que 5 minutes, ça va le faire.
Parfait. Et là, je vais passer à l'âge 3. Je vais partir sur quoi? Un mort-vivant qui absorbe la vie, ouais. L'économie, on va prendre l'examen impérial et lui. Hein. J'aime bien Dabogong hein, pour ce qu'il présente en bonus. Beaucoup de bonus pour l'économie, ça peut être fort avec la Chine. Et là, je fais surtout ça aussi parce que là, l'âge 3, on va avoir les moines. Bon, on l'aura pour quelques temps et pour nous soigner surtout. C'est ça l'idée. Et derrière, je vais faire aussi maçonnerie. Alors, Dabogong, je sais plus ce qu'il a comme bonus. Alors, il y a l'esprit du paysan qui permet de former plus rapidement les paysans. Les obsèques, c'est quoi? Vitesse de conversion de unités ennemies, c'est toujours un plaisir, ça. Ah bah. Une nouvelle vague d'attaque. Et en plus, on passe à l'âge héroïque, donc on va encore gagner un petit peu de puissance. Là, ils vont vite tomber. Et en plus, on gagne un lion. Attention à ça là-bas. Formez-moi quelques moines Fissa, s'il vous plaît. Ça nous permet de soigner nos troupes. Ici, ça a été repoussé, ça c'est bien. On a le Chukonu lourd. Attention ici, hein. On va amener des renforts parce qu'il y a du monde. Ah oui, ils sont nombreux là, ah, ils poussent. Allez, on tient, on s'éloigne. Sortons les halbardiers. Virez-moi les lances de feu là, c'est ultra dangereux. MDR sur égal M6, il parle de LOL, ça me bute. Ah. Eh, on voit bien l'amélioration. Hein. Hop. Putain. On va regrouper nos forces au centre. Donc le Chukonu long, ça y est, on 10 d'attaque. Je vais rajouter un bar d'issue supplémentaire. C'est quoi qui arrive? Ah, viens là toi. Attire-les vers la tour. Je pense que ça devrait être les dernières vagues, logiquement. Je vais essayer de me planquer dans le coin ici pour avoir l'or. Parfait, beau travail. Un, deux, trois. Bon, lui va nous aider, hein, ce lion. Ah, on a perdu un Chukonu ici. Donc là, on va se mettre là, on va essayer de récupérer de l'or le plus vite possible. Il nous reste une tour ceci. On va encore augmenter la vision comme ça. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, dans 48 secondes, ça devrait être fait. À mon avis, on va se prendre une grosse attaque massive. Voilà. Toi, va me chercher les archers là-bas. Allez, c'est bien, ça tombe. Ah, on a réussi à avoir un Chukonu en plus. Voilà. Et maintenant, les fermes.
Et voilà. Eh ben ça... Dilar, do you know the way to the underworld? I know the path to what you seek. I will guide you. Bon, maintenant on a un dragon qui se terre dans les trous. En plus. Ça va être drôle ça. Bon, en tout cas c'est normal. La seule difficulté c'est de faire gaffe. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui approche trop près du prêtre. C'est ça l'idée. Du coup, bah on va continuer la campagne. Hein.